Les habitats phoniques. Votre affaire est celle de la Fondation de la Faune du Québec et de la station que vous écoutez. Des comportements distincts et des particularités physiques témoignent de l'adaptation des oiseaux à leur milieu de vie. Tenant compte de la vitesse à laquelle les humains modifient le milieu naturel, on peut se demander si les oiseaux pourront s'adapter encore longtemps. Les données recueillies au fil des ans, soit par l'étude des populations d'oiseaux du Québec ou par le relevé des oiseaux nicheurs, permettent d'évaluer les tendances des populations d'oiseaux sédentaires et migrateurs. Depuis 1965, on effectue le relevé des oiseaux nicheurs en bordure des routes du continent. Chaque printemps, des bénévoles parcourent plus de 2000 itinéraires d'observation. Les trajets longs de 40 km sont ponctués de 50 arrêts de 3 minutes au cours desquels les observateurs notent les oiseaux vus ou entendus. Ces données, recueillies sur le terrain, reflètent l'importance des hausses ou des baisses rencontrées chez les populations d'oiseaux. Jacques Larrivé, professeur d'informatique et ornithologue réputé, a créé l'une des principales banques de données ornithologiques au monde. Le projet nommé « Études des populations d'oiseaux du Québec » repose en grande partie sur les informations contenues dans cette banque. Elle compte plus de 3 millions d'observations, notées de 1932 à nos jours, et révélant la présence de 435 espèces. À la lumière des données informatisées, on estime que plus de la moitié des espèces d'oiseaux rencontrées au Québec ont connu une diminution importante de leur population depuis une vingtaine d'années, et particulièrement depuis 1983. Les arrosages, les coupes à blanc et le morcellement des forêts modifient le milieu forestier. Le phénomène touche autant les aires boréales de nidification que les aires méridionales d'hivernage, d'où les baisses de population observées chez certaines espèces d'oiseaux migrateurs. La grive des bois, le taillis à flanc roux, le moqueur-chat, le tangara écarlate et le pic flamboyant sont particulièrement affectés. Heureusement, on analyse de plus en plus l'impact de l'exploitation forestière sur la faune. Par exemple, les chercheurs se demandent si les lisières boisées d'une largeur de 20 mètres, maintenues en bordure des plans d'eau, conservent un caractère d'habitat forestier. Par des inventaires, ils mesurent l'abondance et la diversité des passereaux nicheurs dans des bandes riveraines de dimensions variables.
Les premiers résultats indiquent que les oiseaux utilisent les lisières après les travaux forestiers, et cela été comme hiver. Toutefois, plusieurs arbres sont victimes des vents et de l'érosion. Or, si le dépérissement annuel se maintenait à son taux actuel de 8%, les bandes riveraines seraient réduites à presque rien dans une dizaine d'années. Si les passereaux adoptent les lisières boisées l'année suivant la coupe, les inventaires pratiqués au cours des années subséquentes révèlent un taux élevé d'abandon. Les chercheurs estiment que les bandes riveraines d'une largeur de 20 mètres sont trop étroites pour des espèces associées aux forêts matures. On pense entre autres à la paruline à croupion jaune, au jonco ardoisé et aux merles d'Amérique. Toutefois, les populations de certaines espèces forestières résidant à l'année au Québec sont en augmentation. Les populations du pic à dos noir, de la chouette épervière et du grand pic sont de celles-là. Les eaux usées, les pluies acides et les rejets toxiques exigent beaucoup du pouvoir épurateur des milieux humides. À cela s'ajoute l'élimination de grandes superficies de terres humides au profit de l'expansion rurale, urbaine et industrielle. Ce n'est pas surprenant que les populations d'oiseaux associées aux milieux humides aient décliné au cours des 20 dernières années. La guifette noire serait en diminution au Québec, comme dans plusieurs régions du continent. Toujours au Québec, on estime la population du petit butor à une quarantaine de couples nicheurs. Et pire, la population du grèbe cornu ne compterait qu'une dizaine de couples nicheurs. Quoique moins dramatique, le déclin amorcé chez certaines espèces reste préoccupant. C'est ce que l'on observe chez les populations de sarcelles à ailes bleues qui diminuent depuis les années 70. L'acquisition de certains sites pour en faire des zones protégées et l'aménagement de plusieurs habitats humides contribue fortement à la sauvegarde des oiseaux et de la faune en général. Certaines espèces associées aux milieux humides connaissent tout de même une hausse de population, entre autres le bexi couronné et la foulque d'Amérique. Par des programmes d'inventaire et de bagages, le Service canadien de la faune tient un registre des niveaux de population des oiseaux marins du Saint-Laurent. Les tendances démographiques des espèces associées aux fleuves, à l'estuaire et au golfe sont à la hausse depuis une quinzaine d'années. Thank you.
les résultats d'une recherche effectuée dans les refuges d'oiseaux de la Basse-Côte-Nord confirment les tendances à la hausse. Elles seraient en partie attribuables à l'abondance de poissons fourragés, tels que le lançon et le caplan, une manne qui aurait profité à l'ensemble des populations. Cette abondance de poissons fourragés ne serait pas étrangère aux diminutions observées chez les populations de poissons prédateurs tels que la morue. Bref, les oiseaux mieux nourris connaissent plus de succès dans leur effort de reproduction. Plus de jeunes parviennent à l'âge adulte et les adultes ont un meilleur taux de survie. Les chercheurs mentionnent que les efforts pour sensibiliser la population côtière et le public portent fruit. Cela se traduit par un plus grand respect de l'intégrité des refuges. Ils indiquent également que l'étroite surveillance des sites a permis de réduire les activités illégales de collecte des œufs. Les oiseaux des milieux urbains n'ont pas la vie facile. Les pesticides répandus sur les pelouses, les jardins et les arbres fruitiers sont pointés du doigt. Ces produits affectent la qualité et la quantité de nourriture disponible pour les espèces insectivores et constituent une menace d'intoxication. Parfois, des facteurs naturels perturbent certaines espèces. Par exemple, en mai 1988, une vague de froid exceptionnelle s'abattait sur le Québec et les provinces de l'Atlantique, décimant une grande partie de la population d'hirondelles noires. Cette espèce, très dépendante des nichoirs qu'on lui installe, doit aussi composer avec la compétition que lui fait le moineau domestique, lui aussi en déclin. D'autres espèces, plus discrètes, éprouvent des difficultés dans le milieu urbain. C'est le cas du martinet ramoneur et de l'engoulevent d'Amérique. La tourterelle triste aurait quant à elle une bonne raison de se réjouir, car sa population augmente et son aire de distribution s'étend. Les espèces associées au milieu agricole sont aussi soumises à des pressions. En effet, les monocultures intensives sur de grandes superficies uniformisent le paysage rural et appauvrissent son caractère habitable. Un inventaire réalisé par le Service canadien de la faune démontre que les changements observés dans les niveaux de population des oiseaux ne sont pas étrangers à l'apparition de nouvelles pratiques agricoles. Selon cet inventaire, l'abondance et la diversité des espèces sont plus élevées en milieu agricole traditionnel que là où on pratique des cultures intensives. On observe également une baisse chez les espèces associées aux exploitations laitières, aujourd'hui moins nombreuses. Le goglu, le vacher à tête brune et la sturnelle des prés en sont quelques exemples.
d'autres recherches démontrent que les plus fortes densités de goglu ont été notées dans les champs de foin. Or, la culture intensive et la récolte hâtive des foins peuvent perturber le goglu au moment de la reproduction. La population du vacher à tête brune connaît un déclin important, autant au Québec qu'ailleurs en Amérique du Nord. Tout comme les tourneaux sans sommeil et le quiscal bronzé, le vacher à tête brune a fait l'objet d'interventions visant à réduire le nombre des oiseaux noirs. Grégaire dans leur aire d'hivernage, ces trois espèces endommagerait les cultures de nos voisins américains. Devrait-on changer le nom de l'hirondelle des granges? En effet, elle semble moins attirée par les nouveaux bâtiments de métal qui sont du reste à peu près impénétrables. Pourtant, le milieu agricole où elle peut aisément se nourrir au vol lui convient parfaitement. Mais encore là, l'emploi des pesticides pourrait perturber le régime alimentaire de cet oiseau insectivore. Un fait demeure, sa population diminue de façon alarmante. La pie grièche migratrice a connu une période d'expansion au début du siècle. Elle aurait alors bénéficié de l'accroissement des surfaces en pâturage pour s'établir dans le sud du Québec. S'alimentant principalement d'insectes terrestres, elle a profité de ses habitats où l'herbe broutée par le bétail facilitait sa chasse. On consacre aujourd'hui 6 fois moins de terres au pâturage qu'il y a 50 ans. Or, les premières mentions d'une diminution de la population de l'espèce coïncident avec la période où la réduction du nombre de pâturages fut la plus importante. Si bien qu'en fin de XXe siècle, la pie grièche fait partie de la catégorie peu enviable des oiseaux en danger de disparition au Québec. En 1990, les ornithologues québécois ont parcouru le sud de la province, visitant 13 000 km² de territoire susceptible d'abriter l'espèce. Seulement 2 couples nicheurs furent localisés. Il est fort probable qu'il y ait tout au plus une dizaine de couples nicheurs au Québec, et peut-être moins. La perte d'habitat n'explique pas tout, car des pâturages répondant aux besoins de la pie grièche restent vacants. Par ailleurs, des études réalisées jusqu'ici n'établissent pas de lien direct entre l'utilisation accrue des pesticides et le déclin de l'espèce. Comme c'est souvent le cas, les causes sont nombreuses et complexes. De plus, il semble que les pies grièches migratrices du Québec trouvent difficilement un habitat d'hiver aux États-Unis. En fait, elles seraient là-bas en compétition avec une population résidente de pies grièches
qui occupent déjà les meilleurs habitats. Toutefois, on ignore les effets de cette compétition sur ce qui reste de notre population. On peut néanmoins supposer que les cultures intensives pratiquées aux États-Unis empiètent sur ces aires d'hivernage. Au Québec, on continue à surveiller l'état de la maigre population. Les oisillons sont bagués et éventuellement on espère étudier leur dispersion, leur longévité et connaître leur taux de survie. D'autre part, des pigrièches prélevées aux populations moins menacées de l'ouest du Canada sont gardées ici en captivité. Elles permettent aux chercheurs d'étudier la biologie de l'oiseau. À la limite, on envisage d'élever des pigrièches et de les réintroduire. Il apparaît de plus en plus clairement que les transformations que nous imposons à l'environnement affectent l'état des populations d'oiseaux. Sachant cela, il nous revient de faire les bons choix.